After Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, tous, Firection, contient 15 cartes. On va les découvrir ensemble. C'est une toute nouvelle extension que je ne connais absolument pas. Donc ça va être assez cool. C'est parti. Déjà ouvrir le premier booster. Évidemment, je suis en galère. Mais je voulais pas prendre de ciseaux. Donc, on a déjà un jeton. Firection et Golem 3-3 créature artefact. Ok. Ensuite, Vendeuse Vulshock. Un équipement commun. Ok. Justicier à mandibule. Créature artefact, Firection éclair. Une 2-1 lien de vie pour 2. Chaque fois qu'un autre artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Cycle alimentaire impitoyable. Œil de Malkator. Prisme prophétique. Je vais pas tout lire. Contrainte. J'aime bien l'illustration. Carte très connue pour un jeu des fosses. Très bonne commune. Centurion. Forge marteau. Très jolie illustration. Champ de sport. Évolutive. Dévotion parachevée. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si elle a le toxique, piochez une carte. Vigie plongeante. 1-2 vol vigilance pour 1. Bonne carte. Bon tour 1. Nécrostique. Une 0-0 pour 4. Étonnant, on va lire. Le nécrostique arrive sur le champ de bataille. Avec 2 marqueurs pétrole sur lui. +1/+1 pour chaque marqueur pétrole. Ok, donc c'est une 2-2 vol de base. Chaque fois qu'une autre créature ou un autre artefact que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, mettez un marqueur pétrole sur le nécrostique. Pourquoi pas? Pas si mal. Rejet de l'imperfection. Un contre-sort. Je trouve les dessins de Magic toujours magnifique. Crépuscule de blanc soleil. Vous gagnez X points de vie, gré X jetons de créature artefact 1-1 incolore Firection et puce avec toxique 1. Et cette créature ne peut pas bloquer si X est supérieur ou égal à 5. Très très bonne carte. Et une carte premium. Brillante. Une inco. Avec, c'est une créature 3-2, Firection, Chancre Flore, qui a la prolifération. Okay. Et un marais. Un marais assez spécial. J'aime beaucoup. Vraiment super classe. Étonnant celui-là. Il n'y a même pas écrit marais. Mais j'adore le dessin. Très très bien. Ok. Je connais pas la cote des cartes, mais le premier deck que je veux me faire en standard, c'est un deck blanc-noir sacrifice. Et du coup, la carte crépuscule de blanc soleil, peut-être que ça peut être sympa dedans à tester. Allez, on continue avec le deuxième. Allez. Un jeton. Il s'agit d'un chat de 2. Très jolie illustration. C'est sympa les cartes jetons. Ça peut servir. Je vais pas tout vous lire. Enjambeur du fourneau. Perturbation planaire.
enchantés, artefacts, créatures ou planeswalkers. Le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer. Ses capacités actives ne peuvent pas être activées. Très bien. Engloutisseurs, faucheurs de ciel. Ils sont flippants, les frictions, quand même. Conservateurs de la toile d'assimilation. Maître de l'essaim piquant. Toxique, les joueurs qui subissent des blessures de combat de cette créature gagnent aussi un marqueur poison. Quand le maître de l'essaim piquant meurt, crée un jeton de créature artefact 1-1, incolore Phyrexian et puce avec Toxic 1, et cette créature ne peut pas bloquer. Ah ouais, pas mal du tout. Assez balèze comme commune. Graveuse de l'axiome. Un terrain, le labyrinthe des chasseurs. Salve dangereuse. Gardien de Malkator. Basilic blême. Position de Tivar. Morsure infectieuse. Contre toute attente. Choisissez l'un ou les deux. Exilez une cible que vous contrôlez, artefact ou créature, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Ok, très bien. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte d'artefact ou des créatures ciblées avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Ok. Arène Phyrexiane. Très 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 bonne carte. Ah, génial. Au début de votre entretien, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. C'est un classique, cette carte. Très bien. Et un marais assez classe. J'aime beaucoup les illustrations de cette extension, en tout cas. C'est vraiment magnifique. Je vais ouvrir le dernier. Le jeton. Un rebelle de 2. Ok. On commence. Consécration par l'affliction. Exiler une créature ciblée si elle a une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Corrompu. Exiler cette créature à la place si son contrôleur a au moins 3 marqueurs poison. Ok, très bien. Désolé, j'ai du mal à lire. Je fais beaucoup de fautes. Ne m'en voulez pas. Balafre d'Exor. Duelliste de vive voix. Croissance titanesque, un classique. Rapace chitaxien. Fandoir de Sheoldred. Anatomiste chitaxien. Bombe crânienne de la basilique. Frisson de probabilité, j'adore le dessin. Basilique de Sani. Ah, une noire verte. Prêtresse de putréfaction nécrogène. Phyrexian zombie éclair. Toxique 2. Très 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 bien. C'est à la tête une bonne carte. Plenaille d'Exor. Ah, la carte rare, c'est un artefact. Immobilisateur de Tamio. Gardien de prison sans âme. 0,4 pour 2 de mana. Les cartes de permanent des cimetières ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille. Les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts non créatures depuis les cimetières ou l'exil. Ça peut être une bonne carte dans la réserve en fonction du deck contre lequel on joue. Et une plaine. J'adore les terrains de cette extension. Très 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 jolie cette plaine. Voilà pour cette ouverture. On va
récapituler juste les cartes rares. Je vais les retrouver. Et il y en a deux que je peux utiliser, je pense, dans mon futur deck. Peut-être. Il y a Arène Phyrexiane, enchantement qui fait piocher des cartes. Le gardien de prison sans âme. Crépuscule de blanc soleil. Très joli. Très, très, très joli. Voilà. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.